revanche à prendre. D'autant que s'il y a victoire au bout, voilà, après on pourra espérer prendre le large pour la deuxième place. Après, c'est sûr, c'est un derby. Après, faut faire un match à gagner. Wilfried, là aussi, faut pas se louper face à cette équipe de Taon qui est mal en point. Oui, faut pas se louper, oui. Après, c'est surtout sur les 6 matchs qui restent, Taon ou pas, on s'en fout. Après, nous, ce qui importe, c'est garder la deuxième place. Quel souvenir tu gardes de ce match aller qui avait un goût amer pour vous, hein? Ah, quel souvenir, Jules, ouais, la défaite, on a perdu. Mais après, bon, on a vite oublié. Après, on avait un match de Coupe de France, il y a des matchs qui se sont passés. Non, on a oublié. Nous, ce qu'importe maintenant, c'est de jouer la montée jusqu'au bout. T'avais marqué au match aller, si il m'abuse. Ouais, ouais, je l'avais marqué. C'était un match en retard en plus, c'était dans des conditions spéciales. Ouais, c'était un mercredi. Hein. Ouais, on avait joué un mercredi soir. Ouais, le Staon et l'US Raon connaissent des trajectoires diamétralement opposées. Il faut quand même se méfier de cette formation-là. Il faut se méfier, surtout qu'eux, ils veulent accrocher leur maintien. Et puis, c'est une équipe qui va se battre jusqu'au bout, je pense. C'est une équipe qu'il ne faudra pas prendre à la légère. Il faudra essayer de donner le maximum, même si c'est à 11. Bon, on dit que vous ne jouez pas le même championnat. Et pour eux, ça risque d'être un match vraiment très, très compliqué, quand même. Bah, c'est sûr. Après, nous, on est en haut de tableau. Ils sont en bas. Et, voilà. On va essayer de faire en sorte à ce que le classement reflète le match. Après, on espère prendre 4 points demain. Voilà, c'est l'objectif pour Raon. Bon, il y a des absents à Taon, hein. Il y a Lancina, Jantet, Évrard. Vous, quel est l'état du groupe? Est-ce que vous êtes au complet? Ouais, on est quasiment au complet. Il manque juste Abdou d'Anfa. Et sinon, il y a tout le monde est d'attaque. Après Taon, il restera quoi? C'est un peu la dernière ligne droite, là, tout le droit à l'erreur. Ouais, il restera 5 matchs, on joue encore 4 équipes du tableau, et puis bon, après, dernière journée, on va forward. Non, il y aura des matchs, encore de beaux matchs. Bon, une dernière question, comment tu trouves Tristan Boubaya qui joue aux Herbiers? Ah, il a eu un peu de mal à débuter, c'est un diesel, mais là, ça y est, c'est parti, là. On l'a vu à la fin, c'est parti. Il essaye de taper des coups francs, maintenant. Il va nous vendre du rêve en deuxième. Toujours dans un profil assez spécial, Boubaya, là, il joue en 10, il joue un peu plus haut qu'en cas Épinal. Ouais, il a pris des ailes depuis Épinal, il est monté d'un cran, là, je sais pas ce qui lui arrive. À Épinal, il était bien en 6, là, maintenant, il commence à s'enflammer. C'est l'électron. Il a failli marquer, là, sur l'occasion, au bout de 5 minutes, là. Il est appliqué dedans, je crois. Sur son coup franc, là. Ouais, c'est pas passé loin, son coup franc. Bon bah, merde pour ce samedi alors. Ouais, merci.